J'ai toujours désiré faire de la mise en scène, mais c'était avant tout pour moi un geste d'écriture. Marguerite Duras, dans le texte Les yeux bleus, cheveux noirs, parle de cette incapacité de définir des sentiments, de dire des sentiments qui donnent le moteur de l'écriture. Comme s'il fallait s'en débarrasser, et pour s'en débarrasser, il fallait les traverser et en toucher la plus grande profondeur pour pouvoir les convertir. Donc ça, c'est peut-être le moteur intime de mon travail. J'ai un peu désobéi à Marguerite Duras, avec tout l'amour que j'ai pour elle, dans la mesure où j'ai choisi de ne pas mettre en scène les yeux bleus, cheveux noirs, mais mettre en scène la constante réécriture de l'histoire qu'elle propose. C'est plus une traversée dans les fictions de Marguerite Duras, comme si les acteurs étaient retenus dans un espace-temps qui est complètement fictif, un espace-temps de l'imagination retenue de Marguerite Duras, comme s'ils se remémoraient une histoire, celle d'un amant et d'une jeune femme qui essayent de rechercher l'amour et n'y parviennent pas.